passe au sport. Demain, 21h, du rugby à suivre et pas n'importe quel match. Le crunch France-Angleterre. Ce sera le dernier match des Bleus pour le tournoi des Six Nations. Un duel entre les meilleurs ennemis que les joueurs n'oublient jamais, Cédric Chasseur. Oui, c'est en tout cas ce que croit William Servat, l'entraîneur en charge de la conquête et des tâches spécifiques, qui a connu des crunchs en tant que joueur et persuadé que ce match est encore dans un coin de la tête des Anglais. On se souvient toujours des matchs que l'on a joués. Et je pense que le surplus de motivation côté anglais sera tout trouvé. Même si pour nous, ce match-là est un match du passé. Un bon nombre de personnes, pour ne citer que le staff, qui n'ont jamais joué l'Angleterre. Les nouveaux venus qui vont découvrir une équipe anglaise en plein renouveau, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, et qui vient de battre, excusez du peu, l'Irlande, pourtant promise à un nouveau grand chelem. D'où la méfiance du sélectionneur Fabien Galthié. On retrouve une équipe anglaise explosive, puissante, solide, une équipe en pleine confiance qui est en train de redevenir la grande équipe d'Angleterre. C'est donc un défi de taille qui attend la troupe de Fabien Galthié, le sélectionneur qui a fait le choix de reconduire les 23 vainqueurs de Cardiff pour affronter l'Angleterre.